Petit détour par la région parisienne où les oubliés des vacances, on peut les appeler comme ça, ont eu un petit peu le sourire aux lèvres ce matin. Comme chaque année depuis plus de 20 ans, le Secours Populaire accompagne des centaines d'enfants défavorisés pour quelques jours d'évasion en plein mois d'août. Alors on le voit souvent au bord de la mer et ce matin, ils étaient 450 à se rendre à Disneyland Paris accompagnés de plusieurs bénévoles. Ce sont des enfants venus de 25 pays différents dont le voyage a bien sûr été pris en charge par l'association et quelle que soit leur nationalité, Disney, ça les fait rêver. Les enfants, venez me voir. Comment c'était l'attraction ? Bien. Je veux tout que vous me disiez sur l'attraction. En fait, le début, ça faisait pas peur. Mais quand il y avait les chutes, ça faisait... Il y en avait une petite et une grande. Vous avez vu les pirates ? Oui. Et alors, ils sont comment ? Ils font peur ? Ils sont gentils ? Comment ? Ils sont méchants. Et ils font peur aussi. Ils font comme ça. C'est vrai qu'ils sont méchants. Les pirates, ils nous ont pas kidnappé. Qu'est-ce que vous avez fait pour voir ? Pirates des Caraïbes. Normal, les petites poupées au moins. C'était joli, c'était beau, c'était sympa. Elles bougeaient partout. Il y avait des cow-boys. Il y avait plein de choses différentes. Ce que je préférais le plus, c'est quand les poupées qui dansaient, c'était beau. On était sur un bateau et après, on a vu des poupées. Et ils dansaient, c'était très très bien. Tes enfants donc au micro, RTL d'Éric Cuoche ce matin à Disneyland Paris où ils étaient donc en vacances pour une petite journée d'évasion avec le Secours Populaire. Dans l'actualité sportive, le PSG a